Thank you.
Bonsoir à tous et bienvenue ce soir. On attaque la 12e soirée sur Hogwarts Legacy. Petite soirée tranquille, on va continuer le jeu sur quelques petites missions secondaires et quelques missions principales. On débloque quelques trucs pour pouvoir avancer dans le jeu. Donc, on va y aller tout de suite tranquillement. Je vérifie que tout fonctionne. Le son est OK. Pas de blocage, interdit. Ok, tout a l'air ok. On va y aller tranquillement. On va lancer le jeu. La paire. Je me rappelle même plus où on a été du coup. Alors, voyons, voyons. La vidéo est finie là en plus. On va taper une musique dessus. Ok, alors attendez, bougez pas. Pendant la semaine, je vous partageais une petite vidéo toute simple avec un peu de musique, un rien, pas de chichi. Vous verrez en détail mon arrière-plan, puisqu'on me l'avait déjà demandé. Je l'avais pas fait, maintenant c'est fait. Du coup, on a plein de petites missions à faire. On va y aller tranquillement. Hop, je vais débrancher les fils. Allez, c'est parti. On va commencer par quoi? Donc on a tout feu, tout flamme. Puis attends, donc ça c'est une principale. Ici, alors. Un Dirico et un crapaud violet géant. Ok, ça c'est pour prendre Bombarda. Voilà, alors. On va l'aligner. On est en train de se disputer dans la grande salle. Je comprends de quoi on retourne. On est vraiment là. En le bouche-trou du jeu, on doit aider vraiment tout le monde. Hein. A-t-il découvert qu'un sorcier de Coppola en bas a harcelé par Typhus, Alro, le bras droit de Rockwood, ok. Et ça, c'est des trucs de recherche, donc ça, faut pas s'en faire. Voilà. Salut Serenity, comment ça va? Ok, bon, on va partir sur un nouveau sortilège. Voilà, on va aller chercher. Donc, il nous faut un Dirico et un crapaud violet géant. Ah, je sais même pas où c'est qu'on va trouver ça. Est-ce que ça va être indiqué sur la carte? J'en sais rien. Ouais, parce que samedi on avait fait une recherche. Ouais, tranquille, écoute, j'ai passé un bon week-end. Je suis bien reposé, dimanche à bien récupérer. Ça fait du bien. Du coup. Oui, on avait débloqué tous les. Des machins. Là, ok, donc c'est. Là, c'est. Donc là, c'est de l'attaque. Et ici, on a mis ce qui pourrait nous servir. Ultérieurement. Ok. Et d'ailleurs, va nous servir sûrement très vite parce qu'on va aller chercher un Dirico. Le premier qui se pointe d'ailleurs. Une belle balade, vous avez vu. On est passé dans la saison hivernale. Voilà. Je vais pas dire les graphismes, mais la déco est super bien faite. Après vous le voyez, je sais même pas en quoi je suis, en quelle résolution sur Twitch. Ah, je suis en 1080 sources. Ah, j'ai accès quand même à tous les trucs. Ok, bah, je vous l'avais en 1080 donc du coup. En 1080, moi je suis en 2160. Et je peux vous dire que wow, c'est. Ah, les couleurs sont pas les mêmes hein, entre vous et moi. On est loin là ou... Là, je suis là et je vais aller là. Ok, et puis en plus il y a une femme juste à côté, c'est nickel ça. Il me semblait que je l'avais fait celle-là.
Oh, putain. Oh merde! Je ne l'avais pas vu. Bon, il est vraiment beau, hein, franchement, même l'hiver. La neige a fait des petites tasses sur les feuilles. Bon, après, c'est pas du grand luxe non plus, mais il faut rappeler que c'est pas un jeu qui coûte 200 euros non plus. Allez, essayons de retrouver nos petits amis. Alors, je pourrais utiliser Glacius peut-être. Il est où lui? Yes, j'en ai eu un. Tout va bien à présent. Ok, peut-être en choper un deuxième, non? Comme ça, j'aurai un couple. Tout doux, tout doux. J'essaie seulement de guider. Ok. Je veillerai bien sur toi. Non, mais t'as des jeux qui coûtent déjà... qui sont déjà plus de 100 euros. 200 euros, c'était pour l'image, mais à 100 euros déjà, t'as des jeux qui sont beaucoup moins beaux que ça et qui coûtent déjà 100 euros. Là, celui-là, il coûte combien? À l'heure actuelle, il coûte combien? Attends, je vais aller voir. On va aller voir sur quoi? Sur Instant Gaming, tiens. Allez. Instant Gaming. On va voir sur CRX, s'il est dispo. Bouge pas. Ouais, il vaut quand même, là, à l'heure actuelle, il est au plus cher sur Instant Gaming, il est à 39 euros. Au plus cher, il est à 55 euros. Donc, on va dire que ça reste un jeu aux alentours de entre 30 et 60 euros, ça reste abordable. Tout le monde peut se permettre de l'offrir. Par contre, à des jeux, par exemple, on va prendre, je vais regarder un peu ce qu'il y a, hein, attends, parce que j'ai mis au Guard Legacy, je vais l'enlever. Je vais regarder pour moi sur Xbox, hop, supprimer. On va prendre sur Xbox, sur Instant... on va rester sur Instant Gaming, plateforme, on va mettre, je m'en fous, système Xbox Series. Là, par exemple, Call of Duty Modern Warfare 3, pas spécialement beau, hein, c'est un jeu de combat, hein. 63 balles, en réduction, en 21% de réduction quand même. Hein. Qu'est-ce que t'as d'autre? Bon, Forza Motorsport, c'est un jeu de simulation, c'est encore une autre catégorie, mais bon, il est à 70 balles quand même. Cyberpunk, hein, tu prends Cyberpunk qui a combien déjà? 3 ans? 3 ans, il est encore à presque 30 euros. Il est à presque 30 euros. Tu vois, ça fait cher pour des jeux. Regarde, Mortal Kombat 1, il n'y a pas de graphisme super ahurissant. Hein. C'est un jeu de combat en face à face, en 2D. Il n'y a rien. Il vaut 80 euros. Tu vois, quand je vois celui-là qui est sorti en début d'année, je préfère attendre que ça baisse. Bon. Ouais, ben là, tu vois, regarde les jeux. Là, je suis sur Instant Gaming. Il y a encore Gamivo. On peut les regarder. Mais voilà, c'est. C'est un jeu qui vaut, on va dire, on va arrondir à 50 balles le jeu. Et t'as d'autres jeux qui sont sortis au même moment qui valent 80 balles. Et pourtant, ils sont pas... Hop, il y a un petit truc là à faire.
Enfin, c'est bon, c'est pas pour critiquer les autres jeux quand même, hein, parce que les autres jeux, j'y joue aussi. Mais quand t'as un tarif de jeu à 80 balles, tu t'attends à un jeu plus qu'exceptionnel, quoi, maintenant. Hein. Tu regardes celui-là, on va dire, il y a 50 euros de moyenne. Et je suis désolé, mais pour 50 euros de moyenne, ben, un sacré jeu quand même. Hein. Il est beau, il a plein de missions. Bah, c'est pas. J'aime bien les autres jeux aussi, hein, mais voilà, c'est. Juste pour dire qu'à 50 balles, on a un jeu qui est propre, fluide. Après, c'est vrai, c'est un jeu qui est assez spécifique, puisque si t'aimes pas Harry Potter, ça sert à rien d'y jouer, quoi. Oh, oh, l'autre, je lui ai éclaté la tête en un coup. Pourquoi je fais la mission là-bas? Ah, je sais pas, j'ai... Ouais, si t'aimes pas Harry Potter, c'est sûr que... jouera pas à ça. Qu'à faire là. Ok. Ah bon sang. Ok, ça c'était radical, mais au moins ça fonctionne. Donc je voulais faire. Ah, j'ai mis deux fois Glacius, j'ai pas fait gaffe. Pas grave, c'est pas grave. Rébellio. Il y a plein de fonds de jeu là, oh là là. Bon, moi je voulais un petit crapaud. Crapaud, petit. Bien faire un trou dans mon sac. Pourquoi je les vois pas, ils sont si loin que ça. Ok, et dehors. Tous mes devoirs sont finis. Ouais, mais je vais en récupérer un deuxième, pour ça si je peux avoir avec un peu de chance un couple. Et voilà. Le professeur Owen ne me croit pas.
Pas de monture. Allez, c'est parti. Il y a quand même 1800 mètres, on va peut-être pas abuser du balai. Se balader en bas l'état, il y a une flamme juste là. Hop, par contre, je vais aller la faire. Désolé. On va aller faire la petite flamme. On va se déplacer rapidement. Sérieux? Putain, je suis passé juste devant. Je déteste demander ça, mais pourriez-vous me donner un coup de main? Ouais, mais pas tout de suite. J'aurais des... Je crois que je fasse un... Pareil, un samedi, j'aurais... il y a plein de trucs à débloquer. Et faire une petite mission... Pourquoi j'ai un truc en allumé là-haut? La mission que je dois faire? Copie, non, c'est pas la mission que je dois faire, ça. Pourquoi ce délire, là? Pourquoi j'ai pas la bonne quête? Ah si, Bombarda. Ah bah si, c'est ça. Non, Poppy, c'est ça. Pourquoi celle-là, ça fait juste pour moi le voir. À 1800 mètres. 1800 mètres, elle est où? Ah, elle est peut-être à Poudlard, alors. C'est peut-être pour ça que je la vois pas. Ah oui, elle est là. Alors, hop. Avec la chance que j'ai, je vais encore tomber au mauvais endroit et puis je vais devoir faire tout le tour du château. Comme d'habitude. Bon, apparemment, Hogwarts Legacy, il est pas mal sur Switch. Il paraît. J'ai vu quelqu'un qui l'a testé, apparemment, il serait pas mal. Allez, ah, putain. Et voilà, allez, je suis reparti pour faire un tour du château. Quelqu'un appartenait quoi. Ouais, attends, je vais essayer de te retrouver le la vidéo parce que je sais pas si tu l'as. Je vais essayer de te la retrouver. Comme ça, je te mets le lien. Tu pourras aller voir. Diffusé il y a un jour. Ça c'est le comparatif. J'ai un comparatif si tu veux, Switch PS5, mais bon après c'est pareil, sur Switch t'auras peut-être pas forcément tous les graphismes. T'as, je vais te mettre celui-là, tu vois, après t'auras qu'à regarder si t'en as envie. Je l'ai vu. Je te mets celui-là. C'est un lien sur un comparatif Switch PlayStation 5, mais bon, c'est pas comparable. Tu vois la taille des consoles. Non, mais c'est où? J'arrive pas à croire que Black soit toujours directeur. Il déteste son travail. Il est en dessous de 98 mètres. C'est pas comme s'il était à court de galion. Ouais, j'ai un bug là. Pourquoi ça veut pas la quête? On va faire la quête. Oh, c'est bien ça. Thank you.
il est derrière moi là. 71 mètres. C'est-à-dire, on tapait tout le tour de l'école encore. C'est le même côté. Non, il est par là, regarde, 180 mètres, tu vois pas? Mais mon radar, il est pété ou quoi? Ah si, putain, il me dit d'aller dans l'autre sens. Bon, je crois vraiment que mon radar, il est parti en vacances. Ah non, c'est pas par là, c'est par là. En allumant les deux, ça ferait quelque chose. Bah non, ça fait. Fais attention à ce que tu fais. Voilà, je viens de me faire engueuler. Voilà, je vais être puni, chassé de l'école. J'ai foutu le feu à l'école. Bon, 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 bon. Voilà donc la personne à battre à joute magique. Oula, il y a quelqu'un qui va me battre. On va aller faire un peu de machin après. Hey, c'était des citrouilles. Très bon travail. Les cours express. Le cours est terminé. Alors, faut que je fasse un clip du cours express. Alors, bonjour madame. Je suppose que vous voulez apprendre. J'ai terminé ce que vous avez demandé, professeur. J'aimerais apprendre Bombarda. Excellent. Une petite mise en garde néanmoins. N'utilisez ce sort qu'en cas d'absolue nécessité. Le sortilège d'explosion peut s'avérer très dangereux. Ne le lancez pas à tort et à travers. C'est quoi ? Créature fantastique, c'est ça ? Oh putain, j'écris vraiment n'importe quoi. J'ai deux pieds gauche aujourd'hui. Pourtant, je suis bien reposé. Et puis si je mettais au pluriel, ça irait mieux. Là. Oh. J'écris avec mes pieds aujourd'hui. Bien sûr, professeur. J'y veillerai, professeur. Croyez-moi, je compte bien m'en assurer. Il vous faudra faire preuve d'une extrême précision dans votre geste, au risque d'y perdre une main. Allez-y. De beaux mouvements réguliers avec la baguette. N'oubliez pas, le sortilège d'explosion est très sensible. Bon, vous ne regarderez pas le titre, mais j'ai fait une faute dans le titre. Passons à la pratique à présent. Ah. Allez-y, faites un essai sur les citrouilles. Ok, alors... il faut que je le place quelque part... Là, j'ai déjà mis un truc de feu. Alors.
J'ai Bombarda. Bombarda. Je pourrais le mettre celui-là. Bombarda, je pourrais peut-être le mettre là. Celui qui attire, celui qui repousse. J'attire, je le fight, je le repousse. Ok, ça c'est bon. Je vais peut-être mettre celui-là par contre là. Celui-là c'est pour désarmer, je l'utilise pas beaucoup celui-là. Ok, je vais vite fait corriger ma petite faute là. J'écris n'importe quoi. Modifier. Voilà. C'est bon, ok. Alors, tant que je suis là, je vais aller le porter. C'est bon, j'ai corrigé la faute du titre. Ça ira mieux. Ok, on est reparti. Hop, perdons pas de temps. S'entraîner sur les machines. Alors, je l'ai mis où déjà? Je l'ai mis là. Entraîner sur les citrouilles. Pas entraîner sur les citrouilles. Bombarda! Sont excellents. Lancez le sort exactement comme cela à chaque fois, d'un geste assuré et maîtrisé. Bon, personnellement, mon personnage, il a quoi? 15, entre 15 et 17 ans. Et on lui donne des tours de magie qui font exploser des choses. J'ai quand même confiance, ces sorciers. Hein. Allez, on avait un petit truc à aller faire, là. Il y avait un petit défi là, on va voir si on peut le faire. Ouh, ça paraît être tendu celui-là. On va l'arrêter sur la plateforme. Bonjour Grace, qu'est-ce que tu fais ici? Ravie de te revoir. Au fait, encore merci pour ton aide au lac. Je suis devenue plutôt douée au plateau d'attraction. Et j'attends mon prochain adversaire. Je suppose que c'est toi. C'est possible. Alors, on peut commencer? C'est parti. Bien, voyons voir ce que tu vaux. Toi qui commence ou c'est moi? Ok, Dak. Faut pas se foirer. Tu n'as rien vu. T'inquiète. T'inquiète, Mimil. Non. Action. Yes. Quel coup remarquable. Action. Ah. J'ai réussi du premier coup, mais c'était un coup de chance. J'ai gagné. Eh bien, je crois que je suis battue. Ah. Bon, je sais pas s'il y en a qui ont réussi à faire un triple saut. Hein. Bravo. Ouais. La plongée, le plateau d'attraction. Tu as vraiment du talent pour tout. Merci, c'est gentil. Tu as très bien joué, Grace. J'ai plutôt bien joué, pas vrai? Seule une élève a réussi à me battre. Elle est très douée. Mais si tu t'y prends comme tu l'as fait avec moi, tu as peut-être tes chances. Merci, merci, merci. Okay. C'est tout ? Y'a personne d'autre qui veut faire Mumuse ? Voilà donc la personne à battre à joute magique. Du coup, on va aller faire un petit tour sur les petites missions. L'enfant perd du niveau 16, et là, il n'y a pas de niveau. On va aller faire celle-là.
coup, on va où? Déjà, on va pas là. Ah, et la carte s'est pas encore mise à jour. Oh là là. Ça, je vais faire à la Harry Potter, on va passer en dessous, en mode turbo. Il cherchait Monsieur Bitton. C'est très inquiétant. Te voilà. Bien. Ah, te voilà, toi, sans soin. C'est la maison de Monsieur Bickel ? Je crois bien. Apparemment, il aurait des preuves contre Arlo. Nous devons lui parler. On peut bien être passé, Archie. Tout va bien ? Nous cherchons Monsieur Bickel. Mon mari est mort. Il l'a tué. Oh, je suis désolée, Madame Bickel. Qui a tué votre mari? Théophilus Arlo, j'en suis certaine. Il menaçait mon mari depuis des semaines et... Oh, où est mon fils? Où est Archie? Il ne doit pas être bien loin. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Archie était à la maison avec son père quand je suis partie. Sa sacoche n'est pas là. J'espère qu'il est simplement parti se balader, comme il le fait souvent. J'espère qu'il n'était pas là quand Arlo... Quand mon mari... Savez-vous dans quelle direction Archie est parti? Il a une petite cachette dans la forêt, au sud d'ici. Il ne s'aventure jamais loin. Mais s'il a vu Arlo s'en prendre à son père... J'ai peur de partir, au cas où il rentrerait à la maison. Nous allons retrouver votre fils, Madame Bickel. Merci. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ne vous inquiétez pas. Pourquoi a-t-il défié cet homme? Encore, il n'y a pas de balai, quoi. Quand j'ai apporté la lettre qu'on a trouvée à l'officier Singer, elle m'a parlé de Monsieur Bickel. Il s'employait à la même chose que... On n'avait pas des nouveaux équipements, non? Est-ce qu'on s'était équipé à fond? Apparemment, oui. Ouais, 60... On va aller les revendre, hein, après. Et on va se retrouver encore avec des... On va être... Ah non, 17 sur 32. Oh ben non, j'ai de la marge maintenant. 17 sur 32, on a de la marge. Ok, bon, ben, on va y aller, go. Sans se soucier de, des emplacements. Des preuves à l'officier Singer pour faire tomber Arlo. J'espérais lui parler de ce qu'on a pu trouver, mais... Il était trop tard. Ah, c'est fait. Qu'est-ce que l'officier Singer a dit au sujet de la lettre que tu lui as apportée? Elle m'a remercié, mais il était évident que ce n'était pas suffisant à ses yeux. Quel dommage que les hippogriffes ne puissent pas parler. Elle Céleste pourrait fournir les preuves dont nous avons besoin contre Arlo. Il nous faut autre chose. Ce doit être la cachette du petit Archie. Révélio. Celle dont parlait Madame Bickel. Archie? Archie Bickel? Il n'aurait pas fait ça dans sa propre cachette. Quelqu'un est venu le trouver ici.
Rebellio est peut-être notre seul espoir de découvrir par où il est parti. Là, les empreintes d'Archie. Il est parti par là. Je pensais que nous aurions déjà retrouvé Archie. Elle aurait pas été là, j'aurais cherché les empreintes pendant 15 ans. Si c'est Arlo qui est à cette trousse, j'espère que tu as raison. Quelqu'un comme Arlo n'hésiterait pas à tuer un enfant. Nous devons trouver Archie, et vite. Tu viens de trapper, passer à travers une vache, toi, t'as vu? Non? Des loups! On va devoir combattre. J'espère qu'Archie n'a pas croisé cette meute de vie. On devrait regarder aux alentours. Rebellio. La sacoche d'Archie? Pourquoi l'abandonner ainsi? Il a dû la laisser tomber en échappant à Arlo. C'est le moment de nous servir à nouveau de Rebellio. Archie est passé par ici. J'ai un mauvais pressentiment. Arlo doit avoir une raison de s'en prendre à Archie. De quoi Archie a été témoin? J'espère qu'il n'a pas vu Arlo tuer son père. Il ne s'en remettrait jamais. Je ne vois pas du tout comment il le pourrait. Mais il y a des champignons partout aussi. Rebellio. Un embranchement. On doit encore se servir de Rebellio. Il y a plusieurs empreintes de pas. Oh, Arlo l'a rattrapé ici. Je n'aime pas ça. Ils sont partis par là. Oh. Ah, j'aurais pu d'attraper un, merde. Ne sont-ils pas magnifiques? Toi aussi, tu peux voir les sombrales? J'ai vu la mort qui se révélait. J'ai aperçu mon premier sombral peu de temps après. C'est la marque. Et c'est toujours le cas. Je pense que ceux qui ont été confrontés à la mort méritent une petite compensation. Oh yes, j'en ai eu un. Il y en a un autre là-bas. Et avec un peu de chance, j'ai un couple. C'est si triste que tu aies eu à subir si jeune. J'étais présente quand mon père est mort. Rebellio. Ma mère était absente et je me suis sentie si impuissante. Ça s'est passé il y a longtemps, mais j'ai parfois l'impression que c'était hier. Je le vois encore si clairement. Il doit te manquer. Mon père était un homme merveilleux. Je... Continuons d'avancer. Nous devons trouver Archie. Combattre, on va combattre. Lumos.
tes gardes. On n'a pas le droit à l'erreur. Moi, je peux continuer jusqu'à demain. Ouais, bah tiens, regarde. Voilà, on est demain. Si tu me désarmes, tu subiras ma vengeance. Un truc de Merlin aussi à faire, là. On va essayer de le faire en même temps. Réveillio. Ah oui, c'est vrai que les tentes, elles sont petites à l'extérieur, mais elles sont immenses à l'intérieur. Je ne m'attendais pas à ce que cette tente soit si grande à l'intérieur. Ça complique un peu les choses. Ceux qui s'en prennent au mien ne vivent pas assez longtemps pour s'en vanter. Ceux qui s'en prennent à mes amis ne dureront jamais assez longtemps. On a vu ça, hein? Réveillio. Ouais, je sais pas s'il fallait s'infiltrer, mais oula, ils sont 4 là, 5. Ce n'était que le début. Tu vas le regretter. J'arrive, 2 secondes. Réveillio. Ok, là-haut, il y a un truc à récupérer. Pourquoi tu fais ce bruit, là? On fait pour monter là-haut là. Oui, j'arrive, attends 2 secondes toi. De toute façon, t'es en prison, tu risques pas de t'enfuir. Réveillon. Eh ben. Les serpents cendres, ils ont plein de trucs cadeaux chez eux. À l'aide. Y a quelqu'un. J'ai besoin d'aide. Archie Beagle? Comment tu sais qui je suis? Ta mère nous envoie te chercher. Ah, je suis contente de te voir.
Pas si fort, Archie. Il faut qu'on arrive à ouvrir ça. Allô, Mora. Certain Harlow. Il a tué mon père. Oh, Archie. Il ne s'en tirera pas comme ça, mais on doit d'abord te ramener auprès de ta mère. Merci de m'avoir sauvé. Ne nous remercie pas, Archie. Il est temps de partir. On sait par où passer pour te ramener chez toi en toute sécurité. Ok, du coup on est où là? Ah, je suis revenu au village. Oh l'arnaque. J'aurais dû faire le truc de merde avant. Oh, Archie, tu es là. Oh, tu vas bien. On peut voir toute l'émotion maman. Sur le visage de sa mère. Oh maman. Les amis de papa sont en danger. J'ai entendu les gens qui m'ont enlevé par les deux. Quels amis, mon chéri? Monsieur et Madame Rabe. Monsieur Philbert, et je crois qu'ils ont aussi prononcé le nom d'Otto. Oh, je vais leur parler. Allez, file à l'intérieur. Oui, maman. Les amis de votre mari sont peut-être en danger. Tout comme ils l'étaient. Comment vous aider? Vous en avez assez fait. Mon mari était un grand sorcier, et même lui n'a pas pu vaincre Harlow. Nous devons éviter que ce monstre s'en prenne à vous. On ne veut pas vous causer du souci. Ok, d'accord. Encore une fois, je suis désolée pour votre mari, Madame Bickle. Merci. Et merci d'avoir ramené Archie à la maison. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour votre gentillesse. Ouais, c'est un jeu vidéo, c'est Mon pas une simulation. Mon père disait souvent que la pluie ne tombait pas sur un seul toit. Nous pouvons nous entraider. Je dois en apprendre plus sur les amis de Monsieur Bickle et sur ce que leur veut Harlow. Je te préviendrai dès que je trouverai quelque chose. Merci de m'avoir aidé aujourd'hui. Allô, Mora. Ah, pas de quoi. Bon, allez, hop. On va aller faire un petit peu de thunes. Moi, ce qu'il faudrait que je trouve, c'est les. Comment ça s'appelle? Le mobilier en plus grande taille. Quel soulagement! Bonjour, monsieur Semi. Que puis-je pour vous? Qu'avez-vous en boutique? Qu'est-ce que tu vends, toi? Ah oui, très bon choix. Ah, j'ai bien peur que vous n'ayez pas suffisamment d'argent. T'inquiète. Je suis vraiment désolé. Toi qui vas m'en donner de l'argent maintenant. Ah, j'ai encore fait une connerie, putain. J'espère. J'ai vendu avant de m'équiper. Putain, quel con. Bon, ça va, il faisait descendre. De toute façon, il fallait que je m'en doute que c'était de la merde. Ah, clic quand même. Oh, elle est sympa celle-là. Mais je la préfère en blanc. On va mettre celle-là. Non. Elle est où la mienne que je mets? Elle est là. Voilà.
Hey, quel con, j'ai encore vendu avant de m'équiper. Votre tenue est vraiment... Bonjour, monsieur Semi. Que puis-je pour vous? Qu'avez-vous en boutique? J'espère vous revoir bientôt. Ouais, quand tu baisseras des tarifs, mon gars. Voilà, on a fait déjà deux petites missions, bien sympa. Il nous en reste encore une. Voilà, il est au château, pas trop loin. Pas entrer dans le château en volant. Oh zut alors. Moi qui faisais une telle joie de faire des bêtises en volant au château. Bon, faut que j'arrête de dire de la merde. Concentrons-nous. Nous devons éviter tout ce qui est lié à la magie noire. C'est trop dangereux. Tout ce qui est en rapport avec Salazar Serpentard en vaut la peine. Je ne suis pas d'accord. Et je ne dirai pas un mot de plus. Je suis désolé. Je n'abandonnerai pas. De quoi est-ce que vous parliez avec Ominis? Il est vraiment ridicule. Apparemment, Salazar Serpentard avait un scriptorium secret, ici même, à Poudlard. Ominis est persuadé qu'il y pratiquait la magie noire. Il refuse de s'en approcher. Je lui ai rappelé qu'Anne avait besoin d'un remède. Nous pourrions trouver des réponses dans ce scriptorium. Ominis a raison. Il ne faut pas toucher à la magie noire. La magie noire ne se limite pas à l'idée que s'en font les gens. Les Gaunt le savent mieux que quiconque. J'en ai peut-être un peu trop dit. L'histoire de sa famille n'appartient qu'à lui. Si tu pouvais me raconter, j'aimerais en savoir plus. Je ne le dirai à personne. D'accord. Mais tu dois me promettre de ne rien dire. Ominis a appris la magie noire avec ses parents. Est-ce que tu connais le sortilège de Loris? Andoloris, non? Le sortilège de Loris, ou le maléfice de torture, qui inflige une douleur intolérable à sa victime. Apparemment, ses parents et ses aînés n'hésitaient pas à s'en servir sur des moldus, juste pour s'amuser. Selon Ominis, les cris des victimes étaient terribles. Alors la première fois qu'on lui a demandé de l'utiliser quand il était enfant, il n'a pas pu s'y résoudre. Pour le punir, sa famille le lui a infligé. La souffrance était telle que, quand ses parents lui ont à nouveau demandé, il a accepté. J'ai assuré à maintes reprises à Ominis qu'il n'avait pas le choix, mais il ne se le pardonne pas. C'est horrible. Pauvre Ominis, il n'avait pas le choix, il ne doit pas se sentir coupable. Après cet incident, le clivage qui les divisait s'est amplifié. Jusqu'à ce que j'arrive. Lorsqu'il n'est pas à Poudlard, il est avec nous à Feldcroft. Ominis me fait confiance. Et bien souvent, il finit par m'écouter. Je le lui rappellerai quand nous parlerons du scriptorium. Attends mon hibou, je ne devrais pas tarder à avoir des nouvelles. J'expliquerai tout à Ominis. Il changera d'avis. Ok, alors... Bon, c'était génial. J'ai adoré cette mission. C'était d'une extrême difficulté. Là, je suis... Oh, j'en ai des bouffées de chaleur tellement c'était dur. Allez. On a bien avancé. 43% quand même. Hein. On a bien avancé. Après, il y a plein de petites missions encore à faire. Alors...
frères aînés se sont tous retrouvés. Non, me dis pas que je peux pas. On va se rapprocher un peu à la main quand même. Céleste va bien? Nati m'a raconté ce que vous avez fait. Elle Céleste va bien. Je garde un œil sur elle. Elle est en sécurité, Poppy, je te le promets. Bien. Je ne sais pas ce que préparent les braconniers, mais je veux la tenir à l'écart. Tu as dit que tu avais du nouveau sur les braconniers. Et pourquoi ils en avaient après moi? Tout à fait. Je les ai entendus parler à la tête de sanglier. Tu savais que Victor Rockwood leur avait ordonné de te capturer dès que l'occasion se présentait? Ça a quelque chose à voir avec le comportement de Rockwood et Harlow aux Trois Balais après l'attaque du troll? En quelque sorte. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as appris sur les braconniers. Très bien. Mais j'espère que tu me diras si tu as besoin d'aide. Surtout après ce que tu as fait pour elle, Céleste. Est-ce que le nom Olmagiar t'évoque quelque chose? Je crains que non. Pourquoi? De quoi s'agit-il? C'est le secret le mieux gardé des braconniers. Le nom a été mentionné à deux reprises, mais je n'ai jamais pu obtenir de détails. Je les ai aussi entendus se vanter de tout l'or qu'ils gagnaient. Aux dépens de pauvres créatures innocentes, sans doute. Les braconniers ont parlé de cette zone, et je pense que si on la fouillait un peu, on en apprendrait plus sur leur manigance. Si un jour tu rencontres ma grand-mère, ne lui parle surtout pas de ce périple. Pas de soucis, c'est un secret bien gardé. Si je rencontre un jour ta grand-mère, je ne lui dirai pas un mot de tout ça. Normalement, je lui dis tout. C'est ma meilleure amie après elle, Céleste. T'as compris, Serenity, hein, t'as rien entendu. Je pense qu'elle a peur que je fasse quelque chose d'inconsidéré. D'où peut bien lui venir cette idée? Par ici. Un centaure. Fais bien attention. Oui, bah, tout à l'heure, ils étaient là. Un château entier ou erré, et vous choisissez de venir vous aventurer ici. Je vous en prie, nous ne voulons pas d'ennuis. Nous sommes juste de passage. Qu'est-ce que vous croyez? Que nous ne remarquons pas qu'il y a de plus en plus d'humains par ici qui sont de mèche avec les braconniers? Nous n'avons rien à voir là-dedans, bien au contraire. Nous essayons de les arrêter. J'espère pour vous que c'est la vérité. Nous perdons rapidement patience avec les braconniers et ceux qui les aident. C'était un sacré charmeur. Ça aurait pu être pire. Les centaures n'apprécient pas tellement les sorciers. Et les braconniers n'arrangent rien.
Pourquoi penserait-il que nous avons quelque chose à voir avec ces braconniers? J'ai vu les braconniers discuter avec quelques habitants de Préolar. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être ce qui rend les centaures méfiants. C'est-à-dire que si tu vois des braconniers parler avec d'autres gars, tu les assimiles, hein, c'est normal. C'est la troisième fois que je vois un fangu aussi violent. Oh, ces derniers temps, de nombreuses créatures ont l'air plus agressives que d'habitude. J'ai remarqué, moi aussi. Je me demande ce qui les met dans cet état. Peut-être le fait qu'on empiète sur leur territoire, qu'on leur prend leur bouffe... C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas sûre, mais regarde partout. Si les braconniers étaient ici, nous pourrions peut-être découvrir pourquoi. Pourquoi ils n'ont pas pris leur cage avec eux en partant? Parce qu'ils se sont fait défoncer la bouche. Des peaux. Pauvres bêtes. Il y a toujours de la fumée. Ils ont dû partir il y a peu. C'est du métal gobelin. Ça n'a rien à faire dans un camp de braconniers. Je devrais en informer Poppy. Rebellio. Il y a quelque chose? Il y avait des braconniers. J'en ai la preuve. Mais j'ai trouvé autre chose. C'est de fabrication gobeline. J'ai trouvé une armure de gobelin. Continuons à chercher. Mais prudemment. On ne sait pas ce qu'il se passe ici. J'ai un mauvais pressentiment. Quel pourrait être l'intérêt commun des gobelins et des braconniers? Regarde, là-bas. Ce sont des braconniers. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire ici? Je ne vois pas de créatures. Il faut qu'on aille voir de plus près. 3, 4, 5... Ils ne vont pas être contents de nous voir. Revelio. Devrait-on utiliser un sortilège de désillusion? Ou une approche un peu moins discrète? Difficile à dire d'ici. Tentons d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Bon, entrez dans la tente. J'ai le choix entre le fight... Est-ce que j'ai mis comme qu'on me cachait? Non. Un pied après l'autre, aussi discrètement que possible. Ah! Si quelqu'un cherche les ennuis, je l'attends! Et ben voilà. Ça serait rude dans Assassin's Creed. Ça alors, par Merlin. Oh, ils ont un dragon. Ce sont des dragons. De dragon. Je crois que c'est le Hall Magyar. Je comprends mieux d'où vient ce nom maintenant. Et pourquoi ces secrets? Pas étonnant que les braconniers passent tant de temps à Préolar. Ils doivent prendre des paris et parler de leur combat, vu le monde qu'il y a ici. Comment ils peuvent trouver ça amusant? Je comprends pourquoi les centaures méprisent les sorciers. Il doit y avoir d'autres dragons aussi. Les braconniers sont bien trop cupides pour gérer une arène avec seulement deux dragons. On devrait profiter que tous les regards sont tournés vers le combat pour fouiner un peu.
Tu dois à tout prix éviter de te faire repérer. Je ne sais pas ce qui a pris à Victor de passer un marché avec eux. Les bras cognés aussi. As-tu des nouvelles de ta famille? Est-ce que l'un de tes frères pense comme nous? Vont-ils nous rejoindre? Ah, ils disent que nous allons trop loin, que nous n'obtiendrons rien par la violence. Moi, je dis que si on pourfendait jusqu'au dernier sorcier d'un coup d'épée, alors la violence me donnera précisément ce que je veux. Ça me dégoûte de travailler à leur côté. J'ignore comment Ranrock fait pour supporter Rockwood. Quel abject personnage. Nous n'en avons plus pour longtemps. Bientôt, nous serons libérés des chaînes des sorciers. Ils paieront pour ce qu'ils ont fait. Réveillez. J'ai entendu ces gourmands. Ranrock et les braconniers doivent être associés. Poppy, il se passe quelque chose derrière toi. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas? Je pense qu'ils viennent de la capturer. Elle ne se laisse pas faire. Ce n'est pas très équitable, vu comment elle est enchaînée. Alors, allons l'aider, d'accord? Allez, on va aider Ranrock. Très bien. La clé, c'est la discrétion. J'espère qu'il va pas voir me bouffer le dragon. Regarde, ils ont un œuf de dragon. On dirait un noir des hybrides. On ne peut pas le laisser là avec ce qu'il prévoit d'en faire. Très bien. J'ai l'œuf. C'est bon. L'effet de surprise nous fera gagner seulement quelques secondes. Oh, pardon, je fais un petit clip pour l'œuf de dragon quand même. Bon, ça a l'air d'être... Moi, je pense que ça va combattre, là. Ça va combattre méchant. On va bien se préparer. J'aurais dû acheter plein de potions en plus. Corps express. Alors. Ils vont le regretter. Est-ce que j'ai récupéré des trucs qui augmentent un peu ma puissance? Allez hop. Ah putain, celui-là je l'ai pas, hasard. Là y'a rien, ok, y'a plus rien. Pas de talent. Et tout le reste, on s'en fiche, en fait. Ok. Bon, ben... Non ! C'est une idée géniale. Allez,
j'essaie de faire ça discretos. Je crois qu'on va bientôt le savoir.
C'était un noir des Hébrides. Je suppose que l'œuf est celui de ce dragon. Je ne crois pas qu'elle sache qu'ils avaient son œuf. Elle ne serait pas partie sans. On fait quoi maintenant? Ce n'est pas comme si elle nous avait laissé sa carte de visite. Je ne sais pas. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui était inattendu. Les gobelins, l'arène de combat. Et je n'aurais jamais pensé me retrouver avec un œuf de dragon. Et les braconniers nous ont vus, ça n'augure rien de bon. Puisque le dragon qu'on a libéré s'est envolé, est-ce qu'on peut garder l'œuf? Je préfère qu'on le garde plutôt qu'il soit entre les mains des braconniers. Du moins pour l'instant. Mais je ne crois pas qu'on devrait le garder indéfiniment. On ne pourra pas le cacher au professeur Weasley très longtemps. Vu tous les problèmes qu'on a causés aux braconniers, tu m'étonnes. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'ils se vengent? L'inverse serait étonnant. Ils ne sont pas du genre à pardonner. Je suis désolée de te dire ça. Comme on a buté ça, tout le monde, normalement, on ne devrait pas être trop dans la merde. Avec ce qu'on normalement. Vient de faire. Hein. Quand tu tues tout le monde, plus personne ne peut te chercher ici. Après. Hein. Mettons-nous en sécurité. On réglera ça plus tard. Tu as raison. S'il y a quelque chose que les braconniers maîtrisent, c'est bien la traque des proies. Et c'est ce qu'on est pour eux. Fais attention surtout. On se retrouve au château. Ok, donc on a avancé dans une grosse étape, on a fait un gros plan en avant. J'ai tenté de mettre la pression à Hominis. Ouais, t'es d'accord. Une fois qu'on a tué personne, normalement, il n'y a plus personne qui sait que c'est là. Rejoins-moi devant la salle commune de Serpentard. Libération du dragon. Alors attendez, je vais faire mon petit partage du petit clip. Il est temps d'apprendre le sortilège de métamorphose. Lorsque vous aurez terminé vos tâches, qui s'avéreront certainement utiles pour remplir votre guide du sorcier, venez assister à mon cours pour apprendre ce nouveau sortilège. Ensuite, nous discuterons de vos progrès de ce trimestre. Bon, bah perso on a pas mal avancé, je trouve. On a fait un gros pas en avant. Là on a des quêtes, l'inventaire, on a quoi dans l'inventaire? Oui, il faut qu'on aille libérer un peu notre valise, parce que commence à être pleine. Alors normalement je devais redonner ces deux-là et ces deux-là. Ça c'est un mâle, ça c'est une femelle, ok. Un mâle, une femelle, un mâle. Ah, j'ai deux mâles. Ah. Pourquoi j'en ai trois là? Comment ça se fait? Oui, il y a une petite étoile, celui-là. Un mâle et deux femelles, ok. Les nifleurs, j'ai qu'une femelle. Dirigo, putain, j'ai deux femelles. Un mâle et une femelle. Oh, ok. Là, on a un œuf de dragon. Oh, ça, c'est cool ça. Là, un œuf de dragon là. On a récupéré un petit talent. Donc là, on a tout récupéré. Ça, c'est quoi ça? Waouh! Stupéfix, ouais, mais on n'a pas encore Stupéfix. Donc, Protego. Une parade parfaite. Libérer une pour Devastastis. Prison des boucliers ennemis, ça c'est pas mal ça. La jauge de magie ancienne de remplir en tâche lorsque vous êtes pris derrière. C'est une base. Ouais, on va monter tranquillement, on va tout débloquer petit à petit. Hein. On y arrivera vite, de toute façon, on est tranquille dans l'avancée du jeu. Hein. Donc, on va pas s'embêter. Hein. Ça et ça, hop, on a fait des nouveaux. Alors est-ce qu'on les a eus ou est-ce qu'on en a ouvert des nouveaux? On a eu des nouveaux, ok. Ok. Bon, et qu'on a quoi? On a 1h32. Allez hop, c'est parti. Donc, connexion mise à jour Protego, mise à jour protection nécromantique, le masque du loup vengeur. Le masque du loup en jeu. Retourner un fangeux. Il s'apprête à faire une attaque sournoise. Ouais. Réveillons.
Il y a un truc là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je suis là, bonjour. Ok, c'est vrai. Juste que ma vidéo a bien été partagée. Mon jeu, il est là-bas. Eh, hey, pour rien. Pourquoi j'arrive pas à le toucher là-haut? Bah oui, oui, bah forcément je suis dans l'eau là. De l'eau, je sais pas nager. Oh non, je vais faire fighter dans l'eau. Mais non. Oh là là. Oh, qu'est-ce que c'est nul. Oh là là, vraiment pitoyable. Vas-y, on va réessayer quoi. Bon, sinon. Alors, nous sommes ici. Oh, si, je suis perdu contre une bestiole baveuse. On a plein de trucs à faire encore après. Alors, j'ai dit qu'on allait vider un peu le. Faut qu'on aille à Poudlard. On arrive dans la salle secrète, la salle sur demande. Imagine, c'est comme si tu t'es battu avec un énorme escargot et que l'escargot t'avait mis une branlée. Alors, faut que j'aille ici déjà. Chic, aimeriez-vous parler quand vous aurez un avis? Oui, Chic, je fais mon truc et. Alors, ça c'est ce que j'ai. Donc là, j'ai une femelle. Non, j'ai un mâle, pardon. Donc j'espère que j'ai une femelle. Non, c'est un mâle encore. Là, j'ai une femelle. Ok. Ça, c'est fait. Là, j'ai un mâle, une femelle. Ok. Un mâle et une femelle. Ok. Là, j'ai un mâle. L'espèce indique quoi? Attends, je peux pas. Limite d'espace atteinte. Oh. 4 espèces. Oh. Oh l'arnaque. On peut pas le faire évoluer ce truc là. Évoluer ce truc, ça va pas. Je peux pas le faire évoluer ce machin là. Chic, aimeriez-vous parler quand vous aurez un. Ouais, Chic, 2 secondes, s'il te plaît, Chic. Alors, par contre, là, je voudrais ajouter. Hop. Non, je vais mettre ça là et je vais remettre le 5. Est-ce que je peux avoir un grand? Non, je peux pas avoir les grands. Ah, je peux pas. C'est quoi ce délire là? Pourquoi je peux pas les avoir? Budget, poste botanique, 2 sur 7. Achat auprès de Tom. Ok, donc faut que je les achète. Tom est parchemin. Bon, il va falloir que j'aille dépenser des sous. Chic,
qu'est-ce qui t'arrive, mon pote Chiki? Attends. Vous parler quand vous aurez un instant. Oui, Chiki, qu'est-ce qu'il y a, Chiki? Chiki, Chiki, Chak. Bonjour, Chiki. Le professeur Weasley m'a dit que tu voulais me parler du métier à tisser. Ah, bonjour. Oui, à propos, Chiki a eu une idée. Il... La salle doit penser que vous avez besoin de plus d'espace pour vos créatures. Chiki voulait vous dire qu'il a eu une idée. Chiki sait comment vous pouvez tester le vêtement que vous avez amélioré avec le métier à tisser enchanté. Et peut-être venir en aide à un vieil ami au passage. Qu'est-ce que tu veux dire? Un elfe de maison nommé Tobbs récupère du jus de sangsue pour son maître dans une grotte près de Poudlard. Le maître de Tobbs lui interdit de quitter la grotte, et Chiki sait qu'elle est infestée d'araignées. Ça a l'air horrible. Oui, Chiki n'a pas eu de nouvelles de son ami depuis un moment. Comme l'objet que vous avez fabriqué avec le métier à tisser possède un enchantement utile, Chiki a pensé que vous pourriez le tester en allant voir si Tobbs va bien. Je comprends. Je m'en occupe, Chiki. Je vais retrouver Tobbs. Oh, merci. Revenez dire à Chiki ce que vous aurez découvert au sujet de son vieil ami. Ok, trouvez la grotte. Je me fais gaffe, des trolls en tutu. Ça vaut le coup d'aller sur Twitter, ça. Alors, allez où cette grotte? On va aller visiter une petite grotte. Mais il y avait des trolls en tutu. Super, j'étais juste à côté. Ma mère veut me parler. Je crois qu'elle sait ce qu'on manigance. J'espère qu'elle sera plus conciliante si tu es avec moi. Non mais sérieux ? Pouvons-nous nous retrouver aux Trois Balais ? Depuis que nous avons sauvé le dragon du Hall Magia, l'endroit est à nouveau sûr. Dire, il va y avoir plein d'araignées. Bah oui.
Attention, ouais, ou pivoir, ouais, c'est attention, araignée. Araignée, araignée, araignée. Araignée. Ok, il y a des araignées. Je n'ai pas compris qu'il y avait des araignées. Hein. Bonjour, si tu as peur des araignées, ne joue pas à Hogwarts Legacy. Quoique, apparemment, il y a un mode arachnophage. Je me demande ce que ça donne, le mode. Réveillons. Incendio. Réveillon. Le maître de Tobbs est terrible. Il y a une vilaine araignée là qui était cachée, je l'ai vue. Tobbs? Tobbs? Je viens de la part de Chick. Tu es là? Réveillon. Incendio. On va aller chercher le top. Incendio. Expelliarmus Incendio. Action. Retour. Incendio. On va sûrement remonter après. J'ai mis de l'eau, mais je sais pas pourquoi. Pour faire joli. Elle est balèze celle-là. J'ai vu une araignée, elle était énorme. On dirait que Tobbs est passé par là il y a quelque temps déjà. Il a dû s'enfoncer plus profondément dans la grotte. Thank you.
8 pattes, c'est 6 de trop. Il y en avait des trucs là-bas à récupérer, on va y aller. Ah, il y avait un coffre. Oh putain. Incendio. Oh. Flipendo. Asso. Repito. Classico. Flipendo. Il y avait une bête. Vilaine, vilaine, vilaine. Réveillon. Putain, j'ai raté un coffre moi là-bas. Ah non. Allez, c'est parti, on avance. Et on sera encore là demain. Hein. Ça sent le gros combat. J'ai cette magie et je peux faire une annihilation pour une grosse. Rien de bon. Ah, déjà qu'elle avait une bien balèze là. Ouais, par contre, faut que je change parce que le truc de la baguette, c'est un peu lâché. Il faut un truc bien. Ça, je l'ai mis. Bah, j'ai rien d'autre. Hein. C'est dommage, pas de vraiment. Là, la rigueur. Non, je l'ai déjà mis. Un truc de la baguette, c'est pas vraiment utile. Donc. Après, c'est contre des araignées. Peut-être plus utiliser ça. Réveillon. Pour se chier dessus.
Là, ça pue, ça pue, ça pue. On va peut-être se battre avec le roi des araignées, peut-être. Waouh! Toi, t'es mouche, ma grande! Fait de la merde. Merde, ça jamais. Merde. Dégage, dégage. Oh.
Oh, elle est balèze, elle est à niveau 30. Je suis même pas... Oh là là. C'est chiant, c'est qu'elle appelle toujours ces petits, là, qui arrivent sans arrêt, là. Il n'y a aucun sortilège pour le... Alors, faut que je refasse, par contre, mes sortilèges, parce que... J'ai merdé un moment. Je suis emmêlé les pinceaux. Attends, parce que... Là, ok. Là, c'est celui-là qui me sert à rien, mais bon, je peux pas les... Ouais, bon, on va faire avec. Il y en a même une derrière moi maintenant. J'ai déjà joué à ça tout le monde, ça y est. Ouais, bah, on va tricher un peu, alors, du coup. Il faut faire ça pour y arriver, hein. Oh, il est coincé l'araignée. Oh, elle est coincée dans le trou. Bombarda! Confine-vous!
Bon, bah alors. Tu étais vraiment. Si vous êtes plus comme moi, et ben vous mettez là, par là où vous êtes venu, et allez coincer l'araignée. D'accord, c'est triché. Oui, je sais. Et bon. Elle était sacrément balèze, hein. Elle était mouse l'araignée, y a pas à dire. Cet elfe de maison, ça doit être Dobbs. Vous voulez le cœur de Dobbs, c'est que la grande araignée est trop forte. Dobbs est indigne de vous, il mérite punition. Dobbs est trop faible, fatigué, Dobbs doit... Pauvre Dobbs. Abandonné à son sort avec les araignées. Oh. Réveillon. Ouais, ça c'est l'excuse aussi. Exploiter un bug, c'est... Ah, c'est tricher en fait. Bombarda. Revelio. Cette table me dit quelque chose. Ouais, c'est pas là qu'on je crois arrive. Que je suis de retour à l'entrée de la grotte. Ben, le pauvre Toby, il est mort, Tops. Ah merde, j'ai plus d'eau. Oh. Pourquoi elle apparaît pas, elle apparaît encore comme ça, là? Elle devrait apparaître finie, normalement. Alors, allez rencontrer Chic. Eh ben, on va prendre deux raccourcis, tranquillement. Le pauvre Chick va être déçu. Mon pote est mort. On n'a rien pu faire. Mon pauvre Chick, tu veux un câlin? Oh, il y a un truc qui s'est ouvert là-haut. J'avais pas vu. Je suis de retour de la grotte, Chick. Fantastique. Oh, Chick espère que vous avez salué Tobbs. Je suis désolée de t'annoncer ça, Chick. Mais Tobbs est mort. Il semble qu'il n'ait pas pu échapper aux araignées. Oh non. C'est ce que craignait Chick, tout seul dans cette grotte. Pauvre Tobbs. Chick et Tobbs appartenaient autrefois au même maître. Oh oui, nous avons été séparés à sa mort. Chick aurait bien voulu que Tobbs soit envoyé à Poudlard aussi. Chick a de la chance de servir des sorcières et sorciers comme vous. Tobbs manquera à Chick. Chick lui lèvera son verre, le cœur bien lourd. Oh.
Je suis navrée pour ton ami, Chick. Merci. Vous êtes bien aimable. Chick voudrait être seul pour réfléchir, si ça ne vous dérange pas. Oh, bah, cool. J'ai même pas écouté, tu vois. Donc, j'ai plus d'espace pour les animaux? Ouais! Oh, la classe! Eh, c'est la grande classe? Je peux pas avoir ça chez moi? C'est dommage. Ah ouais, je peux mettre que 4 espèces différentes dans la même zone en fait. Ah, d'accord. Ok, je peux mettre 12 animaux et que de 4 espèces différentes. Elle céleste. Non, elle céleste, je garde avec moi. Bah ouais, c'est pas dommage. Et là, c'est deux mâles par contre. Alors. Oh, je suis désolé, je suis trompé de bouton. Pardon, 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 pardon. Oh, vous fuyez pas les gars, je suis désolé. Je suis désolé. J'étais un sauvage, non? Verrues de crapaud, c'était à qui que je devais récupérer des verrues de crapaud déjà? Ah, je me rappelle plus. Par contre, j'aurais défoncé la bouche dès le début. Pas du trop apprécié, hein. En fait, c'est un Tamagotchi géant. Non, salut, je voulais mettre un coup de brosse. À toi. Ok, allez. Ok, donc je peux mettre encore une espèce. Vous aurez un instant, merci de venir parler à Chick. Encore ? Bonjour, Chick. Tu voulais me parler ? Oui, Chick a pensé que vous voudriez peut-être apprendre à construire un enclos de reproduction pour pouvoir élever des créatures. Cela me semble être une très bonne idée. Sauver et élever des créatures vont de pair. Les jeunes créatures sont particulièrement vulnérables aux braconniers. Élever des créatures ici, dans la salle, nous permettra de garantir la sécurité des petits. Je vois. Qu'est-ce que je dois faire? Commencez par amener deux créatures dans la salle, un mâle et une femelle. Chick vous conseille de sauver des sombrales, car ils sont recherchés par les braconniers. Ce sont de nobles créatures, mais leur lien avec la mort leur donne une mauvaise réputation. Leurs crins de queue sont prisés par les braconniers. J'ai déjà vu des sombrales, mais où puis-je en trouver dans les environs? Chick a aperçu des sombrales sauvages non loin de l'enceinte de Poudlard.
Ensuite, vous devrez acheter un créasort pour l'enclos chez Tom et Parchemin et rassembler les matériaux requis. Une fois que vous aurez sauvé les sombrales et récupéré le créasort, revenez voir Chick. De toute façon, faut que j'y aille. Ça tombe bien, lui, il fallait que j'aille le voir. Normalement, j'ai récupéré des... Voilà, hop. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Ok. Ah, 70, ça m'intéresse. Bon, elles sont vraiment moches. Petite lunette toute simple, voilà. Celle-là? Non, ça fait grand-mère. Là, c'est bien. Voilà. Mais j'ai rien récupéré d'autre. Ok, donc là, je vais aller chez... Niveau Express. Il m'a dit, là, j'ai oublié. Chez Time, mais je sais pas quoi, là. Alors ça, c'est pour vendre des animaux. Non. Ollivander. Tom et Parchemin, voilà. C'est lui. Chez Tommy, acheter des tomes. Et puis je pense qu'on sera pas mal. J'aurais bien réagencé un peu mon espace, parce que c'est un peu brouillon. J'ai déjà deux grandes zones pour les animaux. Mais j'ai que deux pauvres bureaux pour faire mes plantes. Vous avez dites-moi s'il y a quelque chose que vous... Révélio. Eh, t'as une arrière-salle, toi? J'ai même pas eu. T'as un gros coffre. Qu'est-ce que c'est que ça? Une demi-guise. Attends, bouge pas toi. On va mettre ça là, on va remettre ça là. Ah, tu veux la jouer comme ça? On va la jouer comme ça. Bouge pas. Et là, tu me vois plus. Salut pote, avec ta belle barbe et ton chapeau melon. Alors. Déjà, je vais te vendre des trucs. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Ok. Alors, ça coûte... Putain, 1200, ça coûte sérieux. Ça c'est quoi? D'un pot moyen. Là je peux avoir deux pots moyens. Rien de tel que de trouver exactement ce que l'on cherchait, n'est-ce pas? Je vais pouvoir invoquer un enclos de reproduction dans la salle sur demande. Je devrais retourner voir Chick et les sombrales. Putain, c'est tout trop cher là-dedans, sérieux, non mais... Trois petits pots. Ah, ça c'est pas mal.
Rien de tel que de trouver exactement ce que l'on cherchait, n'est-ce pas? Ça, je peux mettre 3 petits pots avec les machins. Ok. Ah, si je peux vous aider, n'hésitez pas. Ah, c'est bon, tu m'as coûté déjà 3000 balles. T'es sérieux, mon gars? 3000 boules. C'est plus que ce que je gagne par mois. Ah oui, comme ça je vais pouvoir supprimer mes 2 pots et en mettre un seul. Comme ça il y a 3 machins. Alors par contre, comment on fait pour le démolir celui-là? Alors... Métamorphose. D'accord, on va essayer ça. Hop. Vider le pont. Voilà. Yes. Terminé. Vider le pot. Et maintenant. Hop. Là, il me faut ça. Il me faut ça. Là, ici. Et je vais mettre un. Cultiver 3 plantes, voilà. Je vais le mettre là-bas, celui-là. Je peux le mettre. Parce que ça, les feuilles, je n'aurais pas pour elles. Un peu plus tard. Là, il faut que je puisse planter. Polygonum, non. X-sèche. Est-ce que je peux le déplacer celui-là? Voilà. Mettre un petit peu plus dans le fond. Et lui. Mettre un petit peu plus près. Et... Ok. Ici, je pourrais faire ma botanique tranquillement. Allez, allons voir Chic. On va aller mettre le truc qu'on a pris. J'ai sauvé les sombrales et apporté le créasor pour l'enclos. Excellent. Maintenant, pour que les sombrales se reproduisent, mettez-les simplement dans le vivarium où vous avez invoqué l'enclos. Puis utilisez l'enclos pour commencer le processus. Venez voir Chic lorsque vous aurez terminé. D'accord. Où devrais-je invoquer leur enclos?
Qu'est-ce que c'est ça? Oula! Chic ne se lasse jamais des merveilles de la salle. Nous disposons maintenant d'un lieu idéal pour ces sombrales. Prévenez Chic une fois qu'ils se seront reproduits. Alors, par contre, du coup, faut que je mette les sombrales, faut que j'aille chercher les sombrales ici. Ok, invocation. Alors, on va essayer de le mettre dans un coin tranquille là. Hop. Maintenant, faut que j'aille chercher les sombrales qui sont dans l'autre, bien sûr. Oh, il y a une nouvelle salle qui apparaît là. Ah non, déjà la mienne. Par contre, il me faut le sac pour les attraper. Pourquoi je peux pas les mettre dedans hein? Calme-toi, je ne te veux aucun mal. Salut mini pote. C'est un Tamagotchi géant ça. Les gars, c'est pas que je vous aime pas, mais je vous ai mis une petite chambre pour aller copuler, les gars. Action! Hey, elle va déjà avoir son petit comme ça ou. Non, tu sais pas? C'est comme moi, quoi. Découvre la vie. Hein. Tiens mon gars, t'as bien bossé. Une nourriture. Ah bah, ça va tranquille. La vie est belle. Chrono, putain, j'avais pas vu, il est énorme le chrono, je l'avais même pas vu. 29 minutes, ouais, c'est bon, on va revenir demain quoi. On est quoi, 2h30 de live. Bah, on va regarder ce qu'il y a, une petite mission vite fait à faire, un petit truc juste à côté, pas trop dur, pas trop long. Qu'est-ce qu'on a à faire? On a, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Oui, il y a plein de quêtes qui sont ouvertes. Ah oui, oui. Ouais, bon, ben. Le poulain, niveau 17. Utiliser l'enclos de reproduction. Oui, mais c'est en cours. 29 minutes, mon gars. Je vais pas attendre 29 minutes qu'il fasse un petit, quoi. Discussion de dragon. Ok, bon, bah, du coup, on va s'arrêter là pour ce soir. On est en train de faire un petit
Ouais, dans l'enclos. Et demain matin, on viendra voir notre petit. On a quoi de bien récupéré là? On a encore une lettre. Du verru de crapaud à récupérer. C'est pas mal ça. 38. Ouais, faut faire remplir les stocks quand même. Ouais. Là, on a quoi? On a rencontré du monde quand même. Hein. On a rencontré du monde. Invocation. Bon, les invocations coûtent un peu cher. Je trouve que c'est un peu. Ok, professeur Weasley. J'ai rien. Là-dessus. Me rejoindre, ouais, ok, et on s'en fiche. Là, on a encore débloqué quelques petits trucs, mine de rien. Les combats, font avancer pas mal le jeu. Faire reproduire 10 créatures uniques, ok. Et on aura un masque d'épouvante. Ok, ça marche. Bon, bah, on va s'arrêter là pour ce soir, du coup. On a relativement bien avancé. On est à 44% du jeu, tranquillement. Hein, ça fait quoi 12 jours qu'on est dessus. Ouais, 12. 12 jours, à raison de 2h30, 3h. Ça va, on joue tranquillement, on avance. On fait un maximum de missions. On avance bien. Du coup, demain on est mardi. Demain, je serai là. Il n'y a rien de changement. Donc, on se retrouve demain soir à 20h. De bonne heure et de bonne humeur. Et puis voilà. J'espère que ceux qui passent de temps en temps. Bon, Serenity, apparemment, ça lui plaît puisqu'elle est là tous les jours. Mais pour ceux qui passent, j'espère que ça vous plaît. Ce que vous regardez, ça vous plaît. Même si vous restez pas, vous dites pas bonjour. C'est un peu gênant des fois. Et puis voilà. Le but c'est vraiment de faire le jeu au maximum. Donc si on peut le finir à 100%, on le fera à 100%. Je sais même pas si. On va aller voir les. Hop, 11 sur 45. Bon, on est pas mal, on est à même pas la moitié du jeu. On n'est pas la moitié du jeu. Apprendre tous les sortilèges où il nous en reste quelques-uns. Préparer tous les types de potions. Voilà, on a du boulot. Je suis une glu. je dirais pas ça. Ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un de régulier. Tu sais, d'habitude, à part moi qui regarde, j'ai des fois Army qui vient quand il est dispo, mais j'ai personne de vraiment régulier le soir. Tous les talents disposés, tous les talents. Ouais, bon, il y a pas mal de succès. On avance petit à petit. Hein, les succès, ouais, ils se développent tranquillement. Il y a quelques succès secrets. Oh, il y en a un paquet de succès secrets. Oh, c'est la folie. À mon avis, les succès secrets, c'est les. Et quand on avance dans l'histoire. Le point culminant du château, l'étage du bureau du buteur. Ah, faut monter tout en haut du château. Il y a un truc à faire. Voilà, donc du coup, on avance bien. On a 11 succès sur 45. Bon, au fur et à mesure, on va aller les faire. C'est pas un souci. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Et on se retrouve demain. À 20h pour poursuivre là où on en est. Comme promis, je ne joue pas hors ligne, je joue que en stream. Donc si je suis en live, c'est que je suis en train de jouer. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain. Bonne soirée à vous. Amusez-vous bien. Bisous.